basketball est un sport d'élite qui se pratique dans le monde entier et le Gabon n'est pas en marge. Et d'ailleurs, il y a plusieurs jeunes qui s'illustrent avec maestria dans ce sport. C'est dans cette optique que nous aurons la rencontre d'un jeune pétri de talent qui évolue dans ce sport. Il s'appelle Ahmad Sparkle et c'est maintenant que ça se passe, ma man. Let's get it. Bon. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Ahmad Sparkle? Ahmad Sparkle, je suis coach de basket à l'école de René Descartes en catégorie minime, cadette et junior. Je suis aussi président de l'association Taiko. J'ai 24 ans, je suis de nationalité libanaise-gabonaise et je suis passionné du basket, quoi. Alors, tu es amoureux du basketball, comment es-tu tombé dans ce sport? En fait, c'est à Descartes, peut-être que j'étais en quatrième, ils ont construit un terrain de basket. Et quand ils ont construit le terrain de basket, bah, tout le monde, nous tous, on est allés dans le basket. On est allés dans le basket et puis après, bon, j'ai regardé aussi quelques matchs de basket et tout. Donc du coup, ça m'a tenté en fait. J'ai essayé comme on dit, on essaye toujours. Étant à l'école, comment ça s'est passé avec ce terrain-là? Comment les jeux, les matchs s'est passé en fait? C'était nul, c'était bon. C'était bien, mais j'étais nul en fait. J'avais déjà fait la peine de commencer. Du coup, il y avait la bonne atmosphère. Et puis, c'était les gardes de l'école. C'était pas des gardes de l'extérieur. Les gardes de l'extérieur n'avaient pas le droit de rentrer dans l'école. Du coup, c'était entre nous-mêmes, on se connaissait. C'était des frangins avec qui on avait commencé depuis la sixième. Des frangins qui venaient aussi à peine d'arriver, mais dont les rapports étaient bien, quoi. Donc, il n'y avait jamais d'embrouille. Bon, c'est vrai que tu sais que sur un terrain de basket, on se trash toujours, on veut toujours prouver. Après, il y avait aussi les petites nanas à côté, on voulait se faire voir, mais voilà, quoi. C'est un peu ça. On a tous commencé presque en même temps. C'est vrai qu'il y avait des gars qui avaient déjà commencé depuis... Enfin, qui jouaient un peu, genre, mais pas vraiment des professionnels, quoi. Il n'y avait aucun professionnel à Descartes, aucun. Il y avait juste des amateurs. On a tous commencé en même temps. C'était comme ça. Alors, comme je l'ai dit en prélude, tu es l'un des meilleurs meneurs au Gabon dans ce sport qui est le basketball. Raconte-nous un petit début. Comment l'aventure a-t-elle commencé? Très difficile. C'était très difficile parce que, en gros, j'avais un truc comme 1m56, 1m58. Du coup, c'était très dur pour moi pour jouer, de jouer au basket.
Mais j'ai dû travailler, j'ai dû vraiment travailler beaucoup pour avoir le niveau actuel que j'ai en ce moment. Et je suis passé par beaucoup de coachs qui m'ont conseillé aussi. Donc les débuts étaient difficiles. Et puis il y avait aussi des gars dans Descartes qui étaient grands. Sans parler que nous, à l'époque, quand on était en quatrième, on jouait contre les gars de terminale. On jouait contre les gars de terminale première. Et il y avait des grands de 2 mètres, 2 mètres 2. Donc c'était un peu compliqué pour moi. C'était l'instant. C'était genre. Quand j'ai regardé un truc à la télé, je reproduisais ça seulement sur le terrain. On ne va pas dire que c'était le sport-là était pour moi, mais c'est comme si en fait c'était pour moi en fait. Du coup, c'était simple, mais c'était dur aussi. C'était très dur. Du coup, après, mais j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler. Comment ta famille perçoit ce que tu fais ? Ma famille m'a toujours encouragé. Surtout mon père et ma mère. Parce qu'en gros, à part eux, j'ai pas de famille. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a mes frères. Le reste là. Donc ma famille m'a beaucoup encouragé dans tout ce que je fais et surtout dans le basket. Parce qu'ils savent que je suis passionné de ça. Ils savent que c'est ce que je veux faire de ma vie. Parce que moi, mon but, c'est de devenir professionnel. Donc ils m'encouragent. Ils m'encouragent. C'est pas le genre de famille qui va te dire non, le basket, ça ne paye pas au Gabon. Faire autre chose et tout et tout. Et en plus de ça, ma famille sait aussi que je travaille à mon compte personnel. Du coup, je n'ai pas de problème. Question argent, en fait. Je vis bien, je vis seul, je loue chez moi, donc il n'y a aucun souci. Et tu appelles ta maman. Quelle était l'apport de ta maman dans ton soutien? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, en fait? Un peu tout. Tout. La prière. Ma mère priait pour moi à chaque fois que j'allais dans les matchs. Quand je suis allé à mon coco, elle a prié pour moi. À un moment, j'étais même allé au Liban pour jouer en deuxième division. C'est elle qui m'a trouvé le club, c'est elle qui m'a trouvé le logement. En fait, elle a beaucoup impacté dans ma vie. Et pour moi, ma mère est l'un de... Non, c'est mon plus grand exemple, c'est ma mère. Est-ce que pour toi, l'apport familial est très important dans l'évolution du sport? Oui, bien sûr. Parce que quand tu rentres à la maison et que la famille n'est pas avec toi, ça te pose des cales. Ça te pose des cales. Tout le temps en train de te dire, non, toi... Tout ce que tu sais faire, c'est juste jouer, tu ne sais pas ramener les bonnes notes, tu ne sais pas ramener l'argent. Donc l'apport de la famille est très important. Il faut que toute famille sache que quand ton enfant veut faire quelque chose, il faut l'encourager dans ce qu'il veut faire. Mais aussi, lui dire qu'à côté, il faut que tu saches que tu dois faire l'école par exemple, mais que tu dois travailler si tu as fini l'école. Et tout comme ça en fait. Ahmad dans le basketball, ça n'a pas été facile pour lui. Dès le départ, à cause de son handicap par rapport à la taille, il y avait beaucoup de gens qui lui disaient que bon, par rapport à ta taille, ça ne sera pas facile que tu perdes, que ce soit ses parents, que ce soit ses amis, moi-même son propre grand frère. Bon, je croyais en lui, mais pas à ce qu'il perce, quoi. Et ça n'a jamais été facile pour lui, mais il a toujours gardé le courage, la détermination. C'est-à-dire ces deux mots, le courage et la détermination, pour toujours continuer à jouer au basket, quoi. À chaque fois qu'on lui disait laisse tomber le basket, viens travailler, tu as de l'argent à te faire ici, tu as ça à faire, il disait moi c'est pas l'argent, moi c'est ma passion, c'est le basket, même si tu me donnes 1 million là tout de suite, là je préfère jouer au basket que d'aller gagner les 1 million, quoi. Donc ça a toujours été la détermination et le courage, il a jamais abandonné. Ça fait déjà presque 8 ans. Ça fait déjà presque 8 ans. Sur 8 ans, sur une année, il y a 365 jours. Sur les 365 jours, il joue pratiquement 350 jours dans l'année. C'est-à-dire quelqu'un qui joue plus de 300 fois dans l'année sur 365 fois en 8 ans, c'est énorme. Ça montre à quel point le courage, la détermination a été appliqué, quoi. Bon. C'est un grand garçon, le seul mot que je peux lui dire, bon, je l'encourage déjà tous les jours. C'est-à-dire que je suis là avec lui, bon, pour l'encourager, c'est le soutien. C'est le soutien mutuel et le soutien de tous les jours. C'est le soutien du matin, du soir, à midi, de tous les jours, quoi. C'est pas de mots personnels, c'est plus les actes. Le soutien, c'est sans plus dans les actes. Parce que c'est bien beau de dire, oui, je te soutiens, mais s'il n'y a pas d'actes, le soutien est en vain. Donc c'est plus ses actes faits au quotidien, que ce soit par ses amis aujourd'hui, quoi, que ce soit par ses amis, par moi ou par n'importe
qui l'encourage tous les jours, quoi. Donc c'est tout. Alors quel a été ton premier club? Mon premier club, c'était Tungi. C'était Tungi bébé. J'ai été accueilli comme un fils du club. Mes coachs, c'était le coach Ebolo et le coach Koum. Coach Koum, c'est jusqu'à présent, coach Koum, c'est comme mon deuxième père en fait. On va dire que c'est mon père spirituel dans le basket. C'était le coach Koum. Même jusqu'à présent, c'est toujours le coach Koum. Et il m'a très bien accueilli. Il m'a donné beaucoup de conseils au niveau du jeu, des valeurs qu'un homme peut avoir. En gros, c'est comme je dis, c'est comme mon père. Après mon père biologique, c'est lui mon deuxième père, quoi. Parce qu'en fait, avant j'étais un peu indiscipliné. Il m'a ramené dans le droit chemin. Et j'en suis très reconnaissant. C'était un peu compliqué, mais après on est tous devenus comme des frangins à Tungi bébé. On est tous devenus comme des frangins. Il y a des gars qui sont au Nigeria en ce moment. Il y a d'autres qui sont au States. J'ai mon âge. Pas des bisoutages aussi, ou... Non, il n'y avait pas de bisoutage. Les grands, c'était des grands comme Léry, ouais. International Gabonais, Jason Fanga, Messi Junior, Axo Sami. Il n'y avait pas de bisoutage. Les grands étaient flex. Même quand ils venaient. Parce que nous, on s'entraînait, après, c'est eux qui venaient. Les grands nous saluaient tout le temps. Les grands étaient gentils en fait. C'était gentil avec nous. Tu as fait toutes les sections, cadet, junior, non. Senior. Dès que je suis arrivé, j'étais en deuxième division. J'avais pas le niveau de deuxième division. Parce que j'ai fait. Ma première année, j'ai fait deuxième division, mais j'ai chauffé tout le bon. Je pense que. Parce qu'en fait, en première division, il y avait un meneur 3. Il s'appelait Gustave Ndinga. Il y avait un meneur 3. Et ils l'ont fait redescendre en deuxième division pour qu'il puisse jouer avec nous. Parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu en première division. Du coup, il est redescendu en deuxième division. Et bon, on va pas dire à cause de lui, mais bon, à cause de lui, j'ai quand même chauffé toute l'année. J'ai peut-être eu une affaire de 2 minutes de jeu par match. Et même là, c'était parce que, voilà, quand on voulait me faire rentrer. Et sinon, j'avais pratiquement 2 minutes de jeu par match. Et je m'entraînais tous les jours de lundi à vendredi à Tungi. Ouais. Tous les jours. Est-ce que ça t'a révolté en fait? Ça t'a dit que tu dois être mon meilleur? Bien sûr, parce que tous les jours, vous jouez, chaque semaine, vous jouez, mais après, tu t'entraînes tout le temps, mais tu ne joues pas. C'est ce qui se passe actuellement. Les enfants s'entraînent beaucoup, mais ils ne jouent pas en fait. Parce qu'il n'y a pas de championnat en tant que tel. Et du coup, quand tu ne joues pas, ça, à un moment, ça te frustre. Mais moi, j'étais focus. Mon objectif, c'était d'aller en première division. Parce qu'à l'époque, c'était ça mon objectif. Aller en première division. Je voulais avoir la place de tous les gars, là, les mineurs. On avait un expatrié, là, un Congolais, Maxime Chamba, qui joue en équipe nationale du Congo. Je voulais tellement être à sa place en fait, je voulais le dépasser. Mais il avait tellement un haut niveau que. Donc ça fait en sorte que je me révolte. Je m'entraîne tout le temps pour atteindre son niveau et pour le dépasser. Je m'appelle Shanik Arwan, donc moi je suis étudiant et basketteur à l'université de Kutztown en Pennsylvanie aux États-Unis. Ok, concernant Amal, on a commencé le basket ensemble en 2013 à Tali Basketball Club. On a joué les petites catégories ensemble, notamment junior et espoir. Je dirais de tous mes coéquipiers, Amal est le joueur qui a toujours eu la plus grosse éthique de travail. Il se donne à fond dans tout ce qu'il fait. Je me rappelle un ou deux ans avant que je vienne aux États-Unis, on s'entraînait tous les matins à 4h30. Et c'était vraiment spécial parce qu'on s'est vu progresser, on a vu notre jeu changer. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'Amad parce qu'il évolue en tant que joueur et coach. Surtout en tant que coach parce que les jeunes qu'il entraîne vont bénéficier de cet état d'esprit, vont bénéficier de son éthique de travail parce que dans le basket, ce n'est pas forcément le talent, mais c'est aussi l'éthique du travail qui compte. Actuellement, je suis à Espoir Bébé, okay, en tant que meneur titulaire. Première division, on va dire, parce que c'est la plus haute division, ouais, avec le coach Michael Ogunda, coach international. Quel qu'on apporte donc, ce qui, en tant que sportif, en tant que meneur? Mon apport, ouais. Ça je ne sais pas, c'est le coach qui le sait. C'est le coach qui le sait parce que c'est le coach qui voit mon apport. Moi, je vois mon apport, mais si je vous dis que non, mon apport est extraordinaire, ça ne compte pas. Exactement. C'est le coach qui doit parler de mon apport dans le club. Qu'est-ce qui te distingue des autres mineurs? Ta
ta vitesse ou ta manière d'organiser le jeu? Si on va parler des distinctions, on va dire ma manière d'organiser le jeu. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de meneurs qui sont beaucoup plus rapides que moi. Ouais. Donc on va dire ma manière d'organiser le jeu. Parce que moi je suis beaucoup plus bas, un peu comme Rajon Rondo quoi. Ouais. Vision de jeu et tout et tout. Mais sauf que bon, moi si on me demande de me distinguer, c'est ma façon, ma vision de jeu en fait. Ma vision de jeu, mes passes. Enfin, je suis beaucoup plus un genre de meneur. Passe, regarder le jeu et tout, un peu comme Tony Parker ou bien Rajon Rondo et Ricky Rubio. Donc si on me demande de me distinguer, c'est un peu ça, parce que les autres courent plus vite que moi, il y a d'autres qui sont plus adroits que moi, il y a d'autres qui sont plus larges que moi, parce que quand tu me vois, là tu peux te dire que je suis costaud, mais en vrai non, je suis mince, je suis mince. Donc c'est un peu ça. You can't catch them, you can't stop them. I go by them goon rules. If you can't beat them, then you pop them. You can't man them, then you mop them. You can't stand them, then you drop them. You pop them, cause we pop them like over red and vodka. Motherfucker, I'm ill. Yeah, a million here, a million there. Sicilian bitch with no hair. Peut-on faire une carrière dans le basket pour le Gabon? Non, quand on parle de carrière, c'est être professionnel. Mais on n'est pas professionnel au Gabon. Mm-hmm. Ça, c'est avant, peut-être en 2010, quand il y avait encore les Tongi Bébé, Sumo, Manga, tous les grands clubs là, qui payaient les joueurs pour jouer au basket. Ils payaient les joueurs pour jouer au basket. Ils prenaient même des gardes de l'extérieur, les Camerounais, les Congolais, les Sénégalais. Moi, je me rappelle à Tongi, on avait un Sénégalais qui avait 2m15, un Camerounais, mon grand Bouli dont j'ai parlé, qui est coach actuellement en Turquie, mais avant, il jouait d'abord. Qui avait 1m92, c'était un peu le tireur de l'équipe. Et on avait aussi Maxime Chamba, le Congolais. Donc en gros, on avait trois étrangers. Donc si on parle de carrière au Gabon, actuellement on ne peut pas. Peut-être dans 5 ans, si le nouveau bureau fédéral fait quelque chose pour le basket gabonais, là on peut faire une carrière au Gabon. Parce que quand tu dis carrière, il faut qu'on te paye. On paye ton transport. On t'habille, tout ça en fait, c'est un peu tout ça. Donc non, je pense pas qu'on peut faire une carrière au Gabon en ce moment. Quels sont tes projets? Ouais, futur, parce que des projets à court terme, j'en ai pas vraiment. Parce que quand on parle de projet à court terme, c'est gagner le championnat. J'avais un projet à court terme, c'était gagner la Back League avec mes enfants de Descartes. Mais le Covid est venu, a gaspillé tout ce que ça a gaspillé. Mais là, à long terme, pour moi, je rêve plus beaucoup de devenir pro en tant que joueur, mais s'il y a une occasion, on fonce, on fait comme le CAM. C'est clair. On fonce, on tâte le terrain, on voit si c'est bon, si c'est pas bon. C'est clair. Donc c'est un peu ça. Mais mon projet à long terme, c'est devenir l'un des meilleurs coachs au Gabon et peut-être même le meilleur coach du Gabon. Et il y a aussi le fait de former le maximum de jeunes possible. Et quand j'ai dit le maximum de jeunes possible, c'est tout le monde. C'est pas seulement mes petits Descartes ou mes petits Lakanda. Non, 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 c'est tout le monde. Tout le monde. Toutes les personnes qui veulent travailler avec moi, je suis apte à travailler avec eux. C'est ça en fait. Je veux former le maximum de jeunes possible. Et moi, je suis beaucoup plus spécialisé sur les filles. Parce qu'en fait, au Gabon, ça fait vraiment longtemps, mais on a quand même oublié les filles. Pourtant, on avait une très bonne team. Et même là, en 2014, quand ils sont partis avec Géraldine, Cynthia, Joyce, la grande grâce qui est en France, les filles ont fait une meilleure prestation que les garçons. Donc c'est un peu ça. On ne se concentre pas beaucoup sur les filles, on se concentre beaucoup plus sur les garçons. Alors qu'on ne sait pas qu'il y a beaucoup de filles qui peuvent réussir. Là, actuellement, on a une fille aux États-Unis qui est en JUCO, c'est-à-dire en Junior College. Elle s'appelle Jenny. Elle est camerounaise, gabonaise. On a aussi une fille qui est en France, la Grande Grâce. On a aussi une autre, mais dont je ne connais pas beaucoup le nom. Donc c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Le niveau a baissé parce qu'on ne se concentre pas sur les filles. Ahmad, je te remercie.
Ok, c'était Ahmad Sparkle dans l'émission Exprime ton talent sur Gabon Première. Le pause.